Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Inazuma Eleven Go de Strike, Go de Chronostones, excusez-moi. Et on va directement parler à Monsieur Wintersea parce qu'on doit aller jouer un petit match contre les héros des flammes. Alors la contrainte, est-ce qu'on peut jouer uniquement avec des joueurs de type bois? Et voilà. Donc j'ai préparé une équipe qui s'appelle la Edna Power. Pour ceux qui ne suivent pas le Let's Play sur Tales of Systeria, Edna est un... Mais non! Mais qu'est-ce que je raconte, Edna? Edna, c'est la Terre. Pourquoi j'ai pris la Terre, moi? Pourquoi j'ai mis un nom en rapport avec la Terre? What the fuck? Je suis vraiment qu'un pauvre connard. Hein. J'aurais pas été mettre Lila Power, vu que Lila est de l'élément... de l'autre élément, de l'élément qu'on va affronter. Donc ouais, Edna. Allez, en même temps, elle fait bois. C'est pas grave, je suis con. Donc vous voyez ma liste des joueurs. Je vais vous présenter juste après mon équipe, vite fait. Donc Edna Power contre Héros des Flammes. Edna, pourquoi Edna? Je sais même pas pourquoi. Je sais pas, je devais penser que c'était en rapport avec la Terre. J'ai mis le nom avant tout le reste. Hein. Donc voilà. Voici l'équipe. Avec bien sûr Shaw en gardien. J'ai appris gravité forcée à Shaw. Ça peut être sympa. De toute façon, je l'avais eu deux fois dans la machine à capsule. Et voilà, c'est celle qui avait la stat d'interception la plus haute. Et de toute façon, je vais remplacer cette technique plus tard. Mais bon, pour l'instant, c'est sympa. Ettore, Gabi, Pressari, Vi, Sierra, Gamma, Tu, Ricardo, Lucien et Feilune. Ok, j'ai même pas donné d'esprit guerrier. Super. Ah ouais. Ah ouais. C'est parti mon kiki. Oups. On se met bien. Posei. What? What? Ok, si tu veux. Veux. Alors, on va utiliser l'esprit guerrier de Ettor Cazador. Comme tu veux. Pour l'instant, c'est bon. Ouh, Pégase. Get blown back, Ricardo. Voilà, c'est fini. Éclair de Pégase. C'est bon, c'est fini. Coucou. J'ai gagné, c'est bon. Éclair de Pégase, lol. Sauf si je chope un coup critique. Voilà, easy. Mange, Mixi Trans. En fait, ouais, je suis pas du tout préparé pour ce combat, en fait. J'ai que des joueurs de merde. What? Il y a toujours les crampons énergétiques. Bon, il l'arrête, c'est logique. On lui perd des PE. Si tu utilises ces techniques, il aurait encore perdu plus. Super. Gorgo. S'en fout, on tire juste. Et on fait juste un tir normal. Il va perdre beaucoup de PG. Et donc oui, Lova est meilleur que Gorgo. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé, oui. Ah, c'est pas très beau ça hein, comme technique. Hop, c'est parti. C'est chouette comme match hein, pour l'instant.
Bon. We get blown away. Merci. Non. De toute façon, il y aurait eu hors-jeu si j'avais touché. Putain, en plus, il va se foutre un Michimax. La machine. Néné-le. Non, c'est pas Néné-le, lui. Il apprend Snow Angel dans Inazuma 23. L'ange des neiges. Maintenant, tu vas passer en armure. Et on va te laisser un peu tranquille. Merci. Voilà, première partie du match terminée, il est en armure. C'est après que commence le sweep. Ok, parfait. Parfait, parfait. Non. C'est quoi que tu as? Oh mon dieu, Lycaon. J'espère récupérer la balle. Non. Super. Je suis dans la merde. Fini combien? Malaise. Peut-être hors jeu. Il y avait hors jeu. Bon, au cas où ça fait baisser ses PE encore plus. De le faire travailler. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Aucune technique à augmenter. Par peut-être celle-ci. J'ai fait quelques défis. Hein. J'en ai peut-être fait maximum 4 défis et il est déjà en niveau 3. Juste armure et tu fais le tour des joueurs. Plein de fois. J'avais pas envie de la passer parce que je savais qu'il était hors jeu, le bâtard. Voilà, c'est lui, Néné-le. Par contre, là, il m'arrête. Qu'il a l'avantage élémentaire et que bon voilà. C'est même beaucoup plus puissant qu'un machin. Bien joué. Ok. Y'a pas au jeu, c'est cool. Allez, c'est parti pour ça. C'est de la merde. Sauf que c'est goal s'il fait sa technique. Ouais non. Peut-être l'arrêter. Non, c'est bon, c'est goal. Ah bah super, si j'avais su, j'aurais attaqué un peu plus tôt. Parce que là, j'ai perdu un peu de temps. Dommage. Dommage, par contre, mon micro est un peu mal dirigé. Voilà. Quelle erreur. Ta naissance était une erreur. Bitch. Mon dieu, quoi. Non, par contre, Pressai. Merde, mal joué. Il passe trop straightforward. Please, laissez-moi la chance de te faire encore une fois. Une technique encore plus puissante. Goal. Ah, il est même plus en armure. Parfait. But ! On a réussi ! Faut aussi noter comment on fait dans les niveaux 70, hein, donc voilà. Bon, il n'y a plus de Kenshin armure, il n'est pas entraîné, et rien, que dalle. Juste... faille. Je sais, j'aurais pu entraîner des joueurs comme Pressari, mais... justement, on la voit Pressari. Mais bon, voilà. Pas envie, pas envie, pas envie. Mais je dois avouer que ces matchs sont encore fun. Je me suis pas encore ennuyé, ce qui est plutôt exceptionnel. 57 qui n'est juste pas assez.
pour l'IA rebondissant surpuissant au tir de défense torsadé, ça me fait chier. Ah merde. Bon bah j'utiliserai en tant que late game sweeper à la limite avec l'IA rebondissant. L'IA rebondissant tout à fait normal. Non, j'ai misclick. Je vais utiliser mon attaque. Coucou toi. Merci. Pire, ça entraîne mon machin. Ah merde, c'était mal joué. Je pourrais faire une bombe de zone en fait. Non, late game sweeper. Quasiment. Oui, vas-y. Oh putain, pour une fois que je voulais avoir un... J'ai failli rater le bouton. Parti, pour ceux qui me demandent comment j'ai eu, j'ai juste recruté Vladimir. Pendragon. C'est cool. Nice. Il fait plus parce qu'il a pas le désavantage élémentaire. Désavantage élémentaire de la technique bien sûr. Je pourrais une fois faire une vidéo sur les calculs minus moi. Qu'est-ce qui justement dépend de la puissance et tout. Parce que sans vouloir me vanter. Je connais à peu près tout par cœur. Ce qui est chiant dans ces vidéos-là, c'est qu'il faut trouver des images. Il faut trouver, genre des vidéos qui font bien avec justement ce que j'explique. J'avais eu le même problème avec le, avec la vidéo sur la machine à capsule. What the fuck, c'était quoi ça? C'était juste une vidéo sur l'emplacement. J'ai ouvert quelques capsules. C'est tout, c'était ça la vidéo. Le reste c'était du texte et j'avais rien. J'avais juste mis une bête image quoi. parfait. What? Ah bah oui, il a l'avantage élémentaire de la technique, du coup. Tout bruit. Merde. Merde. Coucou. Non. Merci. That was easy. Non, il y a hors jeu. Même pas. Là par contre c'est goal. Quoi qu'il se passe, c'est goal. Qui est plus pété. Du coup vous l'entendez. On a réussi. Non, on n'a pas encore réussi, on n'a pas encore le rang S, mon petit Arion. Bah ça va, on l'a géré ce match. Pas trop dur. Le gardien n'était pas trop puissant non plus. Bon par contre ils font rentrer leur gardien en remplaçant. J'ai pas envie de dire mais... Oh putain, you're not serious bitch. Yes, c'est Nelly. Mur de l'Atlantide. Perfect. D6.
dire que je fais du 1500 quasiment avec ça, avec suppression au niveau maximum et avec Keshin armure, Mechimax trans, bla bla bla. Après on me dit que je suis mauvais, que je suis un noob. C'est vrai hein, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez regarder les commentaires dans la vidéo sur le Mechimax de Arion et Victor. Hein. Dit que je suis un noob. Par contre là je sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser lièvre rebondissant. Parce que là il est encore au max et j'ai juste envie de voir combien il fait mon adversaire. Par contre ça va commencer à devenir chaud au niveau des PE pour mon fail. Vous savez qu'est-ce que j'ai envie d'essayer de faire? Faudrait d'abord que j'arrive à le passer celui-là. Ouais, qu'elle le passe en fait. Passe la balle. Toujours passer au gardien avant. Non, Pressari, please. Please. Non, a perdu la balle. Je sais pas si c'est le mieux d'aller en sort lapin ou d'utiliser gravité forcée. Oh mon dieu, quoi. Non, c'est but. C'est but. Sauf si je me chope un coup critique. Ouais, non. GG, j'ai fait le con. C'est pas fini. J'aurais pas dû aller faire le plan parfait et tout. Putain, quoi. Après, ça arrive. Là, je peux même plus utiliser plan parfait. Malheureusement. Putain, ça c'était quand même bien pété là. On l'a déjà vu. En fait j'aurais dû en profiter qu'il avait. Qu'il avait une technique de type vent. Que j'étais super efficace. J'aurais dû l'utiliser là avec Faye. Bah de toute façon c'est maintenant ou jamais. À 3 PT près, je n'aurais peut-être pas pris ce risque. Non, c'est bon, il l'a. GG. C'est le karma, hein. J'avais dit c'est plutôt facile et après mettre leur gardien et il marque. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Prochain match, maintenant je rejoue contre eux, c'est bon, j'ai un S direct. Hein. Mais bon, j'espère qu'on va récupérer des trucs sympas contre eux. Oh mon dieu, la chatte que j'ai, quoi. Et il apprend Protectobulle, yes. Mais vous savez ce que ça veut dire, Protectobulle, hein, hein. Vie, tu ne vas plus apprendre Protectobulle. Tu vas carrément apprendre Tornade du Pterosaure que j'ai deux fois. Oh mon dieu. Allez, c'est parti. Tornade du Pterosaure récupéré dans la machine à capsule. Hein. J'en ai fait une vidéo dessus. Donc voilà, son moveset est complet. Je vais peut-être changer Corolle Minéral pour Bombe de Zone. Et peut-être Tourbillon Géant alors à ce moment-là pour Pince Coupante. Ou bien laisser tourbillon géant. D'ailleurs, tacle fulgurant, je vais aussi l'enlever. Ou bien je le laisse. Je sais pas.
Je verrai bien. Mais bon, j'ai un jeton spirituel. Est-ce que je sais à qui le donner? Ouais, à part pour passer à une armure. With. Je pourrais le garder pour Weth ou bien Pressari, sachant que je vais bientôt récupérer leur esprit guerrier. Peut-être Sakamoto aussi. Bref, je pense avoir le temps. Mais je vais pas le donner maintenant du coup. Le jeton spirituel. Écoutez, on n'a pas le droit à un coffre juste avant. Je pense pas. Je suis quasiment sûr. C'est qui les prochains? Les super lunettes. Vision trouble. Ok. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 8000? J'ai déjà récupéré l'esprit guerrier de machin? Ouais, j'ai déjà récupéré Reine Blanche. Alors ça peut paraître con, mais c'est parce que je vais lui passer en Michimax. Hein. Qu'est-ce que je pourrais aller faire maintenant? Je pense que j'ai plus rien à recruter à part des choses qui justement sont débloquables avec avec des machins. Avec comment que ça s'appelle? Avec justement des objets que je ne possède pas encore. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est vous dire au revoir. Salut, bonne journée, à la prochaine, au revoir. スレイス恐ろしいか死の予感完備であろうな同志スレイが信じる答えはきっと最悪の時代に終焉をもたらしますわ僕たちにも見せてくれスレイ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 ス